dirige vers le bas surtout. Il vient pas se mettre sur la carte. C'est lui qui va vraiment te tenir. D'accord. Ce serait le pied aval, on va dire. Ouais. C'est ça, ça. Traversée, ça va être pareil. Hein. C'est vraiment une traversée raide. Comme ça. Ouais, on va mettre le pied vers l'aval. Mais c'est un coup à prendre et puis après c'est automatique. Parce qu'on a le piolet, on dit que c'est son centre de gravité, voilà. Automatiquement il n'est plus sur les jambes. Voilà. Ouais. Donc la règle c'est le centre de gravité à l'aplomb de la voûte plantaire quoi. Le centre de gravité, en gros, il est au niveau du nombril. Donc vous avez toujours la répercussion sur la voûte plantaire, comme dit Matt. Donc automatiquement, si vous décalez, vous sortez votre pendule, et ça fait tilt. Hein. Ouais. Donc... Encore une fois, c'est un peu... Tout le monde fait des skis dans l'eau, hein. On va peut-être aller souffler quelques heures après, il y aura deux.